Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va repartir pour demain début de semaine à Pau pour un quintet très difficile sur du steeplechase. Avant ça, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le dimanche 16 janvier. C'était à Vincennes, Réunion 1, course 4. Départ à 15h15. C'était sur 2850 mètres de la grande piste, corde à gauche. Il y avait 15 partants. Une course vraiment très très bizarre. Mais bon, c'est les aléas des courses. Le 15 à 20-30 mètres, il était sûr d'être dans les trois premiers. Voilà, il a forcé sur le cheval et il s'est disqualifié. C'est vraiment dommage, car sinon je vous donnais le tiercé dans l'ordre. Voilà, je vous donnais quand même le 3, 7 et 8. Bon, le 5 était très difficile à trouver. J'espère qu'en tout cas, vous avez touché de votre côté. Alors, on va partir pour demain. Quintet à Pau, Réunion 1, course 2. Ça sera du steeplechase sur 4000 mètres, 16 partants. Départ à 13h50, ça sera sur du gazon. Alors je vais faire une vidéo exceptionnelle aujourd'hui sur mon quintet, mes 4 chevaux avec Xavier et mes dernières minutes. Alors pour mon quintet de demain, je vous ai mis en tête de ma sélection le 11 Beryl B de Borin. Voilà, encore là, du haut de ses 11 ans, donc je pense qu'il mériterait de gagner. Après, je vous ai mis un outsider, le 13 Black Boa de Ray. Voilà, un bon outsider, voilà, qui peut afficher une très belle cote à l'arrivée. Après, je vous ai mis le 6 Genesis As de Paillard. Voilà, il a tout pour réussir, un cheval régulier. Il vient avec de la fraîcheur, pourquoi pas. Après, je vous ai mis le 5 Itmiza Est de Lestrade. Voilà, pour une confirmation, il peut finir dans les 4 premiers. Après, je vous ai mis le 4 Gage de réussite de Gaëtan Mazur, qui va chercher le doublé. Mais voilà, le lot est un peu plus relevé, donc voilà, ça risque d'être difficile pour la gagne, mais je le vois pour les places, pourquoi pas. Après, je vous ai mis le 12, Captain Speaking de Révélé. Voilà, s'il s'adapte à Pau, je pense qu'il devrait être dans le coup. Après, je vous ai mis le 2, Milanesca de Lefebvre, à reprendre. Il adore le terrain lourd, donc faites attention. Et le 1, Zeppeli de Nathalie de Souterre. Beaucoup de poids, c'est pour ça que je l'ai mis assez bas. Pour la quatrième, cinquième place, pourquoi pas. Et en cas de non partant, je vous ai mis le 10 Gaulle de Besson. Voilà, un cheval irréprochable. Si vous voulez rajouter dans votre champ réduit, vous pouvez. Alors je répète ma sélection. Le 11, le 13, le 6, le 5, le 4, le 12, le 2 et le 1. Et en cas de non partant, je vous ai mis le 10. Maintenant, on va passer aux 4 chevaux. Alors, suite à l'arrivée d'aujourd'hui, dimanche 16 janvier à Vincennes. Alors, l'arrivée était 3, 7, 4, 5 et 8. Donc voilà, c'est dommage, comme je vous avais dit, le 15 est au galop, on avait le 15-3. Bon, du coup, on se retrouve avec le 3 gagnant. J'aurais cru que la cote du 3 aurait été un peu plus haute. Mais bon, c'était Jean-Michel Bazire. Bravo à lui. Alors, pour demain, lundi 17 janvier, ce sera Pau, toujours Réunion 1 course 2. Les 4 chevaux préférés seront le 11 Beryl B de Borin, le 6 Genesis As de Paillard, le 5 Itmiza Est de Bertrand Lestrade et le 13 Black Boa de Ray. Donc je répète mes 4 chevaux avec Xavier, le 11, le 6, le 5 et le 13. Allez voir la vidéo de Xavier. Si vous voyez des chevaux en commun, vous pouvez les prendre en base pour découpler 2 sur 4, tiercé. Voilà, avec le reste de notre sélection ou avec vos chevaux. Alors après, on va passer aux dernières minutes. Donc les dernières minutes pour aujourd'hui dimanche. Encore mes coups de poker sont là. Le 7, Diable de Vauvert. Et le 3, Fée de Seven qui gagne. Comme j'ai dit, j'ai cru qu'il allait avoir une cote un peu plus élevée. Au moins 10 contre 1. Mais bon. Donc voilà, mes coups de poker sont en forme. Mon canon partant est encore là, troisième. Donc pour demain, le lundi 17 janvier, toujours à Pau, Réunion 1 course 2. Je vous ai mis en dernière minute le 11, Beryl B de Borin. Mon coup de cœur sera le 5, Itmissa Est de Bertrand Lestrade. Et mes deux coups de poker seront le 6, Genesis As et le 12, Captain Speaking. Donc je répète ma dernière minute, le 11. Mon coup de cœur sera le 5. Et mes deux coups de poker seront le 6 et le 12. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.